Lui, son nom, jusqu'à hier, quasiment personne ne le connaissait. Le rappeur Nick Conrad entre dans la lumière par un scandale. Celui provoqué par le clip de sa chanson « Pendez les Blancs ». Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit. Il faut dire que texte et images sont explicites, Marie Régnier. C'est une vidéo assez longue, de plus de 9 minutes. On y voit Nick Conrad kidnapper un homme blanc dans la rue, l'enfermer dans son coffre de voiture, lui enfoncer un revolver dans la bouche, lui tirer dans le dos et finalement le pendre au bout d'une corde. Le texte est tout aussi violent. Le chanteur appelle à tuer des bébés blancs, attrapez-les vite, écartelez-les et pendez leurs parents, chante-t-il. Pour se justifier, Nick Conrad répond qu'il s'agissait seulement d'une fiction. J'ai voulu inverser les rôles de l'homme blanc et de l'homme noir, explique-t-il. J'ai voulu proposer une perception différente de l'esclavage. Et de conclure, je voulais simplement faire passer un message simple. Acceptons-nous les uns les autres dans notre différence. Pas évident que ce soit effectivement le message que l'on retienne.